Bonjour à tous, c'est Anne Chose et bien aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo. Donc ça faisait longtemps, on a tenté de faire spawner un maximum de troupes, donc cette fois-ci c'est le prince ténébreux. Donc j'ai fait cette vidéo avec Gabi, donc Gabi Alves c'est un youtubeur, donc de toute façon sa chaîne sera dans la description. Il a environ 400 abonnés, il fait principalement des vidéos sur Blizz Brigade, mais aussi parfois il en fait sur d'autres jeux Android. Donc ceux qui voulaient que je fasse du Blizz Brigade et pour l'instant j'ai arrêté, bah, allez voir sa chaîne, il fait du très très bon boulot. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai aussi fait un autre gameplay avec lui, sauf que cette fois-ci c'est moi qui défendais. Donc cette fois-ci c'est lui qui faisait spawner un maximum de barbares. On a environ 5 ans, donc ça fait vraiment un assez gros paquet de barbares. Donc surtout allez voir la suite sur sa chaîne. Donc la vidéo sortira normalement en même temps que moi. Bien sûr, si jamais j'arrive à sortir cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous ai mis ça en accéléré parce que ce n'est pas passionnant. Là, comme d'habitude, je mets des extracteurs, on a détruit les deux tours. Donc je vais attendre un peu. Et dès qu'on commence, vous verrez, je vais faire un petit signe. Hop, je pense, voilà, là on va poser encore deux autres extracteurs, j'envoie quelques petites troupes, un petit rush, maintenant le rush ça marche sur les extracteurs. Alors je sais pas si ça marche énormément. Là j'ai fait l'opticine, donc commence à envoyer les princes ténébreux, lui il envoie des géants. Alors là j'ai fait une grosse gaffe, j'ai envoyé les géants, mon doigt en fait a complètement glissé. Donc c'est pas trop grave, ça m'a permis d'arrêter un peu les petites troupes. Bon, pour l'instant on restait plutôt bien ce qu'on faisait, il mettait les géants dans mon camp. Donc là un très très beau gel. Ensuite on aurait peut-être dû mettre la tombstone, je sais pas trop. Le problème c'est que des fois quand il y a les jambes et les squelettes ça peut détruire les princes ténébreux. Là il commence vraiment à en avoir beaucoup. Hop, donc franchement on y est presque. On aurait peut-être d'attendre de poser un peu plus de tracteurs, mais je pense que c'est pas mal. Donc là je sais pas du tout si... Voilà, je crois que je vais réussir à poser le dernier. Voilà, le dernier prince ténébreux avec un très beau gel qui m'a permis de le poser. Et boum, c'est terminé. Donc tout ça, j'ai fait un petit arrêt. Donc il y en a environ 10 de princes ténébreux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit bug en fait, j'ai arrêté. Et regardez, si vous regardez en fait bien l'image, il y a une genre une mini explosion, donc c'était un petit bug assez marrant à faire. Donc voilà, donc surtout va voir sa vidéo sur sa chaîne, de toute façon c'est dans la description sur le lien de sa chaîne. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de partager la vidéo, et on se retrouve peut-être pour de prochaines vidéos. Bye bye.